Mais à quoi ça sert de les poursuivre? À quoi ça sert de les mettre en prison alors que nos prisons sont surpeuplées? Il y a d'autres choses à faire avec l'argent de la justice qui est déjà... Dans une démocratie, et c'est normal, confondre les notions de droit et de justice. Déjà sous-financé que de poursuivre des proches migrants et des hébergeurs. J'ai un jour tenté de demander de l'aide pour faire passer un jeune migrant en Angleterre dans des conditions de sécurité. Et ce coup de téléphone, bon, il n'est pas passé, ce coup de téléphone, je l'ai donné à quelqu'un qui était sur écoute et voilà, ça a été le début de mes problèmes. Je ne pense même plus qu'il y ait une question de gagner ou de perdre. Je pense tout simplement que ce procès, en ce qui me concerne, n'a pas lieu d'être. N'a tout simplement pas lieu d'être. Et je crois que la justice va faire son travail et se rendre compte qu'il n'y a rien.